Bonjour les amis, Mitra Pneuma Nintendo Alert, et on se retrouve pour un nouveau Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. Donc nous sommes toujours au chapitre 5, sur la mer d'Eritia. Comme vous avez pu le voir précédemment, on a un bateau qui franchement est horrible à manœuvrer, parce qu'on n'aurait pas plus simple d'y aller à la nage. Mais bon, c'est une fonctionnalité nouvelle pour... Xenoblade Chronicles, le bateau. Perfectible. Alors, là nous avons une nouvelle énigme. Ouais, généralement elles sont pas trop compliquées. Ouais. Elles sont pas trop compliquées. On n'est pas dans les énigmes de Resident Evil 1 là, hein, quand même. Wonder what's inside. On a toujours des doublons dans le pont. Très très important pour le jeu. Ouais. Encore un fragment. Étrange qui plus est. Bon, les vendetteurs, voilà, on a 99, donc ça sert à rien. Et l'un d'entre vous qui me demandait si j'avais vu Fond de Samima. Oui, alors je vous cache pas que même si je fais énormément de let's play, il y a des moments où je vais farmer, où je vais faire des choses et que je filme pas parce que ben voilà, quand je farme, je pense que ça vous intéresse pas plus que ça. Donc même si je vous en montre beaucoup, je ne vous montre pas tout. Et puis surtout, ben, y a des fois quand je découvre des choses intéressantes, je me dis ah mince. Ah, j'aurais bien aimé le faire en direct. Quand c'est fait quoi. Là, je sais pas si vous voyez en fait avec le bateau, il est vraiment à manœuvrer. C'est une plaie. Puis voilà, pour ouvrir bien correctement la carte, ça nous oblige un peu à aller partout, ce qui est très très difficile avec ce bateau. Là, ils ont mis des pas mal de nouveaux mobs. Je trouve plutôt mignon. Coloré et tout, ça me fait pas super plaisir de voir les éliminer, mais j'aurais besoin de leur loot. Nothing going on.
I'd say we were moving in sync, right, Tyle? Vraiment, je... Il me tarde et en même temps il me tarde pas, mais j'aimerais tellement savoir ce qui s'est passé à la fin du 2. Tout semblait enfin, s'être arrangé. Bon, forcément, il n'y aurait pas eu 3 si tout allait bien, mais là c'est tellement post-apocalyptique les décors. Pour ceux qui ont joué et apprécié le 2, ça a fait un petit pincement au cœur. Je sais que vous posez Ito. Je me demande s'il y a des uniques comme dans les autres. Où je me rappelle par exemple un en particulier dans le 2 qui était dans cette zone là. Il popait que quand il y avait une aurore boréale. C'était un unique, une sorte de poisson qui popait que durant l'aurore boréale. Je me demande s'il y a ce genre d'unique. Très certainement. Hein. Allez, beaucoup de gens qui se demandent si pour le DLC ils vont faire un standalone vu qu'il y a un nouveau scénario de prévu comme ils ont fait sur Torna. Je suis pas bien sûr. Parce qu'ils sont quand même. Ils ont pas fait grand chose sur cet opus, hein, le collector en kit proposé par Nintendo vend pas du rêve. Même s'il l'avait expédié en temps et en heure, ce qui n'est pas le cas, hein, je le rappelle, vu que c'est une exclusivité Nintendo Store. Mais ils n'ont pas fait de manette, le collector en lui-même n'est pas fou. Je sais pas, ce serait une agréable surprise hein, d'entendre qu'ils font un stand-alone, mais en boîte, j'entends. Mais moi, j'y crois pas trop. Ça m'agace d'ailleurs hein, qu'ils ne misent pas à ce point sur... sur Xenoblade. Hein. Je veux dire, Nintendo, ils misent toujours sur les mêmes. Ils prennent jamais vraiment de risques. J'ai l'impression sur voilà, un Pokémon par an, bah Zelda, forcément, les Mario. Et voilà, c'est tout. Le reste, c'est rare d'avoir quelque chose de fou. Et justement, les collecteurs des Xenoblade étaient magnifiques. Hein. Donc, celui de la Definitive Edition avec le vinyle. C'est vraiment une vraie beauté, hein, ce collector. Alors celui en kit, Xenoblade Chronicles 3, on vend vraiment pas du rêve. Et pourtant le jeu se vend bien. Hein. Nous, ça nous permet de voir les nouveaux monstres. Parce que si vous avez regardé les vidéos précédentes, je me plaignais un peu du fait que c'était quand même pas ultra foulé sous le blister. Donc ça fait plaisir de voir quelques nouveaux. Let's show them! Power my arms!
Et voilà, une victoire. C'est bien, ça va nous permettre d'utiliser de l'éther parce que là on est à 99 sur 99 depuis un petit moment, donc je crois que là il va demander il y a des chances pour qu'il demande pas mal d'éther. Celui qu'on avait fait sur la map, la première map, il a demandé, je crois, 30 cylindres. Je suis plus sûr à 100%. Together now. On it. Combien il demande? 25. Bon, ce qui veut dire que le Féronis qu'on a trouvé... sur la première map, sur la vidéo pour farmer, est plus important que celui-là. Hein. Enfin, plus important. Vous voyez ce que je veux dire. S'il demande plus d'éther. Voilà, remis en service. Petit point d'âme, c'est pas mal. Je sais pas combien de Féronis il y a. Sur toutes les maps. Oh, hey, look at that. Anything to help our cause. D'ailleurs, le Féronis de la première map, les nôtres, on les vendent des objets de malade. Je vous conseille de regarder notre vidéo comment farmer level 50 à 60. Comme ça vous verrez un peu ce que ça propose. Vraiment de beaux objets. J'ai toujours parlé au deuxième Nopon qui vous donne une pierre. Hein. C'est pour une des quêtes avec les Nopons de longue haleine, on va dire. C'est pas dégueu non plus, hein. Après, l'or n'est vraiment pas un problème dans Xenoblade Chronicles 3. Hein. Vous vous souvenez du 2 où pour acheter... par exemple, pour acheter une lame, je sais pas, ça coûtait une blinde. Là, l'or n'est pas un souci. L'or, le gold, la monnaie du jeu. C'est les nopons, les doublons nopons, or et argent, qui sont durs à avoir. Good to names. We could do with some food. Ouais, il y a une quête... où il faut mettre les nopons dans l'équipe pour pouvoir... Enfin, une quête. Un sujet à aborder. Ah, quand même un niveau... Looks good to me. Gem's done. Gem's done. Gem's done. That's how it's done. On commence à avoir pas mal de repas. Oh, I needed that.
Les classes peuvent être plus ou moins difficiles à acquérir, donc voilà, n'hésitez pas à prendre un bonus pour les points de classe. Vous vous souvenez du temps où on faisait tout à la main? Où on cherchait par nous-mêmes comment mettre les meilleurs objets, les meilleurs gemmes. Où on avait des discussions pour les combos de pilotes, ce genre de choses. Dire cet objet-là est top, utilise-le. Eh ben non, maintenant on appuie sur Y. Après, oui, je sais, rien ne m'empêche de le faire moi-même. Mais quand tu as ce genre de fonctionnalité que tu l'utilises, tu vas aller mettre un objet. Et tu vas forcément checker si le système estime qu'il y a mieux. C'est juste humain, quoi. Hein. Do what you have to do, and let's make a difference. Vous voyez ce foutoir? Est-ce que vous voyez ce foutoir pour débloquer la carte? Mais ils sont malades. Donc du coup vous voyez le boulot qui reste à faire. Là on va... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, un nouveau mob adorable. Il est super mignon. Il est niveau 65. J'allais vous dire, bon, bah, on va essayer d'un peu débloquer cette map qui est gigantesque et qu'il faut parcourir pour qu'elle s'ouvre. Et puis, ben voilà, il y a un superbe perroquet qui attaque. Avec des abdos de malade. Vous avez vu ces abdos? Tous ces pecs? Je suis contente de retrouver un peu ces monstres et ces paysages un peu colorés. Je trouve ça trop triste jusqu'à présent. Trop gris. Pas plus sombre le scénario, mais les décors. Pour moi, les décors, c'est important. Vraiment beau ce mob. À mon avis, il est pas végétarien ce mob là, hein, avec des griffes et tout. Ouais, en train de bouffer des cerises. Donc du coup, je vous remonte la map une dernière fois pour que vous puissiez voir l'ampleur du machin. Mais ils sont dingues. Et si on nous obligeait à ouvrir comme map, ils sont fous furieux. Donc voyez ça, je vais pas vous l'imposer. Je vais le faire tranquillement. Et puis ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye bye les amis.